Bien, nous voici donc pour la suite de la démonstration de Drumstacks. Donc là, je suis passé en mode voice pour utiliser donc les 8 mégaoctets de samples qu'on a vu tout à l'heure à la fin de la banque dans les multi-waveforms. Donc directement dans le mode voice parce que donc chaque élément de la voice correspond donc à un son utilisant plusieurs samples. Hein. Je vous rappelle, dans un même son, on va avoir plusieurs notes correspondant à divers sons différents qui vont être animés par les arpèges, les 70 arpèges spécifiques qui ont été créés à cet effet. Et en plus, ce qui est intéressant pour travailler comme ceci dans le mode voice, c'est qu'on a une possibilité de contrôle en live qui est extrêmement intéressante. Donc c'est surtout pour ça que cette fois-ci je vous ai fait une vidéo plutôt qu'un simple MP3. Donc on peut utiliser le ruban. Il y a 5 variations d'arpèges par voice. La molette de modulation. Et les 4 boutons assignables. Et vous pouvez bien évidemment combiner en cours de jeu sur chaque arpège, hein. Toutes les variations. Donc on passe aux voix suivantes.
Thank you.